l'origine du Grand Prix, on a commencé par le dragon. Et on est considéré comme l'épreuve de référence dans cette classe. Et là, on a une vingtaine de médaillés olympiques sur l'eau. On a les 7 premiers du dernier championnat du monde qui sont là. I think it's wonderful. It's excellent place to sail in. And the environment are beautiful, people are nice, and the organization works very well. We love to come to Douarnenez. It's the best organized regatta on the International Dragon Circuit, and it's excellent, excellent. On débute un petit peu entre guillemets. Du coup, ça nous apprend à lutter avec les meilleurs, quoi. C'est la 12e édition du Grand Prix. On a à peu près 1000 marins sur la manifestation et une vingtaine de nations et 300 bénévoles. Et l'idée, c'est d'avoir un peu David contre Goliath. C'est donc on invite les grands bateaux de course au large qui font le Vendée Globe, la Route du Rhum, contre eux, des windsurf, des kitesurf. Et la technologie avance parce que vous allez voir qu'il y a pas mal d'engins avec des foils. Et donc ils volent, ils sont au-dessus de l'eau et ça va très très vite. Donc si c'est du titan, ça me plairait bien que ce soit une windsurf ou un kite qui gagne, parce que depuis qu'on fait le défi, c'est toujours les gros qui ont gagné. Donc voilà, j'aimerais bien que ce soit des petits cette année. Moi je découvre tous les dragons, toutes les catégories de bateaux, voilà, j'ai juste des grands yeux ouverts, je me régale. Ce que je trouve super, c'est de mettre tout ce qui est qui a de la voile, ou presque tout ce qui a de la voile sur l'eau en même temps. C'est un vrai spectacle pour le public et aussi pour tous les gens qui font de la voile. C'est une référence dans le milieu nautique, une grande fête de la voile, quoi. C'est un des plus jolis plans d'eau de France et de Navarre et de Bretagne. C'est un beau stade pour faire de la voile. Aujourd'hui, on part en mer, les gens nous voient dans les ports au départ, éventuellement à l'arrivée, mais ils ne nous voient jamais naviguer. Donc c'est l'occasion de montrer nos bateaux qui naviguent.